des poussières d'étoiles, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors là, aujourd'hui, on se retrouve pour la voyance pour le mois d'octobre, la guidance, donc le mois d'octobre des trois tas. Donc vous avez le quartz rose qui est celui de l'amour, vous avez le cristal de roche qui lui est pour plutôt la généralité, la famille, la généralité, et alors vous avez l'œil du tigre qui lui est pour tout ce qui est projet, travail, voilà, d'accord. Donc je vais vous laisser choisir pendant quelques secondes et ensuite on pourra démarrer. Alors, voilà. Je suppose que vous avez fait votre choix et on va maintenant pouvoir commencer. Alors, on va commencer donc par ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, je vais découvrir les cartes avec vous. Hein. Donc, ici, je fais ce jeu avec, donc, ce tirage, pardon, avec l'oracle des sorcières, le tarot pardon des sorcières, le petit Nonormand et le tarot des anges de l'amour, d'accord. Donc on va regarder ce que nous disent les cartes. Alors, on me dit qu'au niveau des projets, du travail, enfin, ce qui vous perturbe ou tracasse pour le moment, c'est la fin des indécisions, c'est la fin des hésitations. On voit que vous avez pendant longtemps réfléchi vraiment à ce que vous alliez faire, comment vous alliez faire, si vous alliez faire du changement, pas du changement, continuer comme vous étiez occupé. Mais on me montre bien que maintenant c'est terminé, vous allez vraiment tourner la page, passer à autre chose, et on me dit que ça va vraiment être le projet dans lequel vous allez vous lancer, ça va vraiment être ce que vous avez toujours voulu. On me dit aussi que vous devez le visualiser, donc vous fermez vos yeux et vous visualisez ce que vous voulez créer, réaliser, pour donner encore plus d'impact, mais tout est mis en place actuellement pour que vous puissiez vous lancer sans hésitation dans ce projet, dans cette création. Enfin, ça concerne surtout donc tout ce qui est travail, changement de vie, donc ça peut être un déménagement, ça peut être l'ouverture d'un commerce, ça peut être un changement de direction, ça peut être une formation, enfin, ça peut être, donc ça concerne tout ce qui est le changement de vie, quoi. Voilà, ça c'était donc pour ceux qui avaient choisi, je le rappelle, l'œil de tigre. On va passer maintenant à cristal de roche. Et le cristal de roche, c'est tout ce qui concerne la famille, les amis, l'entourage, que ce soit l'entourage au travail, dans la société tous les jours, ou l'entourage proche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Alors, on me montre qu'effectivement, il y a actuellement dans votre vie des problèmes relationnels assez importants, que vous êtes un petit peu entouré entre l'ange et le démon, qu'il y a des gens qui vous sont favorables et d'autres moins. Mais ça, c'est toujours, hein, on est toujours entouré de gens toxiques et non toxiques. Mais on me dit surtout que si ce sont des gens toxiques, il faut absolument maintenant les écarter. Il faut vraiment maintenant, on dit que vous avez la tempérance, donc vous êtes mûr assez maintenant que pour décider ce que vous voulez encore ou plus. Donc il est temps maintenant de faire vraiment vos choix et de vous dire pour ce dernier trimestre de l'année, il est temps maintenant que je fais mes choix, que je loigne de moi ceux qui me font du tort et que je garde près de moi que ceux qui me veulent du bien. Hein, on me dit que vous devez quand même rester optimiste, il ne faut pas être pessimiste. La pensée positive va faire que vous allez vous sentir mieux.
toute façon, dans la vie, c'est toujours comme ça. On est entouré de gens bons et de moins bons, et il faut surtout arriver à pouvoir faire le choix et à pouvoir dire non aux gens qui ne nous sont pas favorables. Voilà, ça c'est donc pour ceux qui avaient choisi le cristal de roche. Je suis désolée, ma voix part de temps en temps, mais c'est parce que j'ai un petit peu pris froid, je crois. Et alors, on va terminer avec donc le quartz rose, donc, qui est le teint de cœur pour l'amour. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on me montre surtout tout ce qui concerne les enfants. Donc, ça sera plus dirigé pour les personnes qui ont donc des enfants ou des petits-enfants. Hein, et on me montre effectivement que il y a vraiment des une guidance qui doit être faite, parce que certains parmi vous ont peut-être des ados ou des enfants qui sont un petit peu plus difficiles que d'habitude, qui sont perturbés. Mais ça, c'est normal, c'est par rapport à tout ce que nous venons de vivre ces deux dernières années presque. Et les enfants, si ça a eu un impact sur nous, adultes, il va de soi que ça a eu un impact terrible sur les enfants. Donc, on me montre bien qu'il est temps maintenant de temporiser, de faire des choses avec vos enfants, puisque maintenant, les portes se réouvrent, on peut aller un peu partout, parc d'attractions, cinéma, théâtre. Il est temps de prendre vos enfants par la main, de les amener, de se distraire, de changer vraiment de cette espèce d'atmosphère terrible dans laquelle nous étions jusqu'à maintenant, mais qu'il ne faut surtout pas laisser les choses aller, il ne faut pas attendre que les choses s'aggravent, il faut vraiment prendre vos enfants en charge maintenant. N'hésitez plus, allez-y, même si parfois ils sont réticents. Je ne vais pas dire forcez-les, mais expliquez-leur que si vous les emmenez faire des activités, c'est pour justement reprendre une vie plus normale et surtout pour évacuer tout ce mauvais que nous avons vécu depuis 2 ans. Voilà, ça c'était donc pour l'amour. Alors, en ce qui concerne les couples, ben, je n'ai rien de précis pour les couples, c'est vraiment centré sur les enfants ici. Donc ça concerne surtout les gens qui ont des enfants ou des petits-enfants. Voilà, c'était le tirage des 3 tas pour le mois d'octobre. J'espère que pour certaines personnes ça a répondu à vos questions. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas, j'ai également un tirage général du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir ce tirage-là et probablement que vous aurez aussi là-bas des réponses à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, puis je vous dis à très vite. Et surtout, que les anges vous protègent. Ciao, ciao!